Je ne connaissais rien du Grand Nord. J'étais correspondant de presse et la seule chose qui me différenciait de mes confrères, et m'en différenciait dans le pire des sens puisqu'elle m'empêchait de plus en plus de travailler, c'était l'idée fixe de faire mon propre voyage. J'ai tout fait dans les potins des journaux, je me mis à les haïr, je cherchais mon salut dans les cartes, répétant comme une incantation les noms de lieux exotiques. Mon Biranga, 1146 mètres, glacier, Palmyre, trop rude pour l'homme qui ne possède aucune pratique de l'expédition, chute de Sakhaline, cela sonne joliment, si tu descends la rivière, il y aura 18 kilomètres en aval une gorge, plus loin, une route, mais il s'agit d'un nouvel zone, le gigantesque archipel du ministère de la Défense, la zone, le pôle de l'inatteignable, la baie de Kolokova, le phare, les îles Taichi, le village de Nijnichar, inhabité. Un étrange mélange de terre et d'eau, de marais, de bancs de sable, de lacs, de ruisselets. Ni sentiers, ni débarcadères, ni demeures, ni habitants. Des centaines de kilomètres d'une plage froide et blanche. Le voilà, le bout du monde. Éloge des voyages insensés. Piotr, mon ami, mon fidèle compagnon, je veux que tu saches comment l'île est apparue, comment elle est devenue une évidence, comment elle a surgi des abysses, plage grise que n'atteint pas le soleil du matin et derrière laquelle, tel un rideau, s'élève la pente douce d'une forêt touffue qui s'étend au loin jusqu'aux montagnes. Ou encore, comment, dans le brouillard que transpercent les cris aigres des mouettes que je dérange, elle se dessine en bandes brunes de terre basse qui se dispersent dans toutes les directions avec je ne sais quel désespoir sans mesure et sans attache. Peux-tu croire que c'est vraiment elle, mon île rêvée, la même? Moi-même, je n'y crois pas. Mes doigts durcis palpent dans ma poche des débris de boîtes d'allumettes. Je suis incapable de comprendre comment s'est produite une métamorphose à ce point stupéfiante. Incrédule, je fouille du regard le rivage morne dans l'espoir d'y découvrir un arbrisseau ou une butte, quelque chose d'où il serait possible de prendre la mesure de ce qui nous entoure. Mais il n'y a rien. Nous errons en cuissarde sur des hauts fonds sableux, poussant devant nous la barque chargée du matériel, moteur relevé pour ne pas casser l'hélice. Tout autour, des kilomètres de cette même étendue d'eau peu profonde et blafarde. Le brouillard que tente en vain de percer le soleil. Et soudain, du banc d'argile vaseuse qui s'étire sur notre droite, nous empêchant d'approcher du rivage, toute une troupe de bernaches nonnettes se jette à l'eau en criant. Je me réveille. Le brouillard. Celui qui pétrifie et fige le visage. Et en fait, le chaud reflet du feu crépitant dans le poêle métallique. Les vêtements humides sèchent sur une corde près du tuyau coudé qui court sous le plafond. À côté de la porte en guise de balayette, deux ailes doigts appuyées contre le mur et sous la lucarne sur la table faite de planches assemblées une casserole noircie au-dessus de laquelle s'élèvent les effluves odorantes de la soupe fraîchement préparée. Maintenant que nous sommes rassasiés, amis fidèles, qu'une chaleur vivifiante s'est répandue dans notre corps, que la bouilloire couine et hoquette sur le poêle, prête à bouillir, je serai tout prêt à philosopher, mais il n'est pas de meilleure méditation philosophique qu'un thé noir et bouillant, tu le sais bien. Un thé fort, noir et bouillant. Je me tais, alors que j'aurais tant à dire.
Sois attentif, Piotr. Toi qui es jeune, sois attentif à tout ce que le hasard t'envoie. Le hasard, c'est le père du destin. Et tu peux te moquer de moi, tu peux en rire, je sais ce que je dis. Je vivais persuadé d'être libre de disposer de moi-même. Des événements en apparence complètement fortuits se déroulaient autour de moi. Comme chacun, quand il est jeune, je pensais que j'aurais pu lire un autre livre ou rencontrer quelqu'un d'autre, arriver plus tôt ou plus tard, et qu'alors telle chose ou telle autre ne serait pas arrivée. Puis il devint évident qu'il n'en était rien, que c'était ce livre-là précisément que je devais lire, ou du moins que c'était précisément ce livre-là que j'avais lu, que c'était cette personne-là précisément que je devais rencontrer. Ce qui différencie la jeunesse de l'âge adulte, c'est que l'âge adulte tente de donner une cohérence à tous les événements de sa vie. Et puis, un beau jour, il se rend compte que tel le roi sur l'échiquier, l'imprévisible le cerne, et que pour éviter le mat, il doit accomplir un acte très précis. Partir sur une île, par exemple, avec laquelle rien, mais absolument rien ne le lie. Tu ne me crois pas? Et pourtant, en vérité, c'est ainsi. C'est pour cela que je te dis, sois attentif au hasard, Piotr. Prends-le au sérieux et prends garde que le dépouillant ne se renverse pas sur ton pantalon. Car c'est le hasard, l'imprévisible qui porte en germe le futur. Oui, 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 c'est exactement ce que je voulais dire. Plus ton pantalon sera épais, plus durable et plus insoutenable sera la brûlure de l'eau bouillante sur ta jambe. Est-ce un hasard si le premier livre que j'ai lu tout seul a été Robinson Crusoe? Oui, à quoi bon discuter puisque c'est ce qui s'est passé. Le premier livre ne s'oublie pas et je l'ai aimé, donc j'ai aimé l'île. Robinson avait beau aspirer de toutes ses forces à rentrer chez lui, la vie ne lui offrit rien de meilleur que ses 28 années passées sur l'île où le hasard l'avait jeté. Cette île qu'il fut condamné à aimer. À aimer, oui. Et l'auteur le comprend. Mieux, n'étant pas écrasé par toutes les tâches qui submergeaient et accablaient Robinson, il lui arrive de célébrer l'île, cette île qui s'étend devant nous, telle une citation déployée du livre de la création. Ainsi, le solide naquit du liquide, ou un prototype terrestre du paradis, ou encore la métaphore d'une totale indépendance, d'une absolue liberté humaine. Quoi qu'il en soit, c'est l'idée de l'île que j'ai aimée, bien avant d'y avoir mis le pied. Ainsi, le hasard m'a poussé dans le premier piège. Et très vite, je suis tombé dans le second. Le rêve du voyage à accomplir. Là non plus, rien de bien exceptionnel, tous les petits garçons rêvent de voyager. Mais comprends bien, voyager, vraiment, s'exposer au danger, ramper, marcher, épuisé par la charge ou la soif, mesurer l'espace à l'aune de soi-même, se l'approprier en lui donnant, selon la loi du partage, sa force, son désespoir et son allégresse afin de recevoir de lui, en échange, ce je ne sais quoi qui fait que l'on ne deviendra jamais un touriste regardant à travers les vitres de l'autobus comme de l'intérieur d'un aquarium les curiosités de Moscou, de Paris ou de Londres. L'espace me fera don d'une inestimable richesse. L'espace fera de moi un être humain. Mais où est la justice? En 5 siècles, depuis les découvertes de Colomb, la Terre a été à ce point explorée, piétinée et décrite avec une telle méticuleuse gravité par des milliers de gens qui ont eu la chance de naître avant nous, qu'il ne nous reste, semble-t-il, pas la moindre chance de vivre l'ivresse de la découverte, de mettre le pied sur un rivage jamais encore foulé. Désespoir. Tous les voyages contemporains, avec leur côté prémédité, rappelle la promenade en bateau des 3 héros de Jérôme K. Jérôme, et en ce sens, sont foncièrement littéraires. Est-ce un mal que de s'y résigner? Né et grandi dans l'espace du livre, le voyage y retourne. C'est un genre littéraire ou cinématographique particulier qui n'a plus d'autre justification aux yeux des hommes. Tous les voyageurs contemporains le comprennent, que ce soit l'équipe de Cousteau qui fit de son navire sa maison et dont le nom, Calypso, résonne comme un écho d'Homère, ou Reinhold Messner qui conquit l'Everest en solitaire, ou encore Michel Siffre entend les profondeurs ténébreuses des cavernes, tous doivent rendre compte de ce qu'ils ont vécu, sans quoi les gens se détourneront d'eux comme d'usurpateurs ayant dérobé à leur profit une part de la richesse commune. Ils doivent restituer aux autres le mystère dévoilé.
Pendant 2 ou 3 siècles, les savants ne se sont occupés que de cela, accumuler des pyramides de description de tout ce qui existe sur la Terre et les systématiser. Ainsi, tout semble désormais connu. Pire, tout est devenu accessible. Et le mystère a disparu. Les colonnes d'Hercule, qui pourrait-elle encore arrêter aujourd'hui? Qui dira que derrière le brouillard des rivages de Norvège, il n'y a plus ni terre ni cieux? Même le Sahara vaincu s'est rendu à l'homme devenant la gigantesque piste d'un Paris-Dakar, et la forêt tropicale de l'Amazonie s'est retrouvée sans défense face aux engins titanesques qui la déchiquettent, les ventres, pour atteindre les couches les plus profondes des gisements d'étain et de manganèse. La perte du mystère est irréparable. Sais-tu ce que veut dire le nom Calypso? Celle qui cache. Les voyageurs du XXe siècle ne cherchent pas le mot de l'énigme, mais l'énigme, ou pire, l'aventure personnelle, pour sauver l'humanité du cauchemar de l'omniscience et de la fatuité. Et nous aussi, amis, nous jouons en sorcier, nous transportant volontairement de la capitale jusqu'à un lointain banc de sable argileux pour y laisser l'empreinte de nos bottes. Mes divagations philosophiques de salon m'ont embrouillé la cervelle et j'ai perdu le fil. Je parlais du hasard. Voici comment le lien s'est fait. Après toutes mes lectures, j'ai moi aussi rêvé d'aller au bout du monde, mais sans savoir où ce bout-là se trouvait. C'est alors qu'il m'est tombé entre les mains un atlas avec des taches blanches. Qu'était-ce sinon un piège du hasard? Des vraies taches blanches? C'était stupéfiant. L'inconnu, l'espoir, l'appel, tout m'a submergé. La promesse de l'inouï, la tentation du diable, tout ce qui là-bas n'arrivera qu'à toi. Authenticité garantie de toutes tes impressions, aucun succès d'année touristique, aucune substitution télévisuelle. En fait, il s'agissait d'un vieil atlas allemand, sans malice, de 1927. Les cartes de l'Europe, de l'Afrique, de l'Océanie, particulièrement des terres et des provinces sur lesquelles l'Allemagne aurait pu avoir historiquement des prétentions, étaient représentées sur le papier avec une incroyable minutie qui ne laissait aucun doute sur leur authenticité, avec un tel souci du détail qu'on eût dit des gravures faites de la main d'un maître miniaturiste. Mais, soudain, les fils finement tracés du relief disparaissaient, les lignes devenaient imprécises, révélant l'incertitude des cartographes. Là, représenté par des pointillés, un à peu près de côte. Les fleuves n'étaient plus figurés que par leur embouchure, puis par des pointillés. Un lac immense, grand comme 5 fois au moins le lac de Genève, le plus grand d'Europe, était entouré d'un trait totalement hypothétique. Plus rien. La blancheur. L'inconnu. Le Taïmyr, 400 000 km² d'inconnu. Je comprends bien que l'année 1927 est depuis longtemps révolue et que tous les blancs des cartes d'au-delà du cercle polaire sont à présent remplis, sans exception. Mais si l'Atlas a été, par le fait du hasard, irremplaçable, c'est qu'il m'a indiqué le cap, le Grand Nord. Envers et contre tout, le Grand Nord reste le Grand Nord. Aucun touriste obèse avec sa maudite caméra vidéo ne viendra se fourrer ici pour se faire filmer sur fond de curiosité. Le Grand Nord est trop austère pour que l'homme puisse se permettre d'y étaler sa vaine suffisance, trop immense pour l'échelle de nos préoccupations et de nos conduites, car dans ce Grand Nord, en vérité, l'homme est petit et les espaces qui le cernent immenses, les lacs innombrables, les rivières profondes, les marais gelés et immobiles. Je ne connaissais rien du Grand Nord. J'étais correspondant de presse et la seule chose qui me différenciait de mes confrères, et m'en différenciait dans le pire des sens, puisqu'elle m'empêchait de plus en plus de travailler, c'était l'idée fixe de faire mon propre voyage. J'ai tout fait dans les potins des journaux, je me mis à les haïr, je cherchais mon salut dans les cartes représentant, répétant comme une incantation, les noms de lieux exotiques. Mont Piranga, 1146 mètres, glacier, Taïmyr, trop rude pour l'homme qui ne possède aucune pratique de l'expédition. Chute de Sakhaline, cela sonne joliment. Si tu descends la rivière, il y aura, à 18 km en aval, une gorge. Plus loin, une route. Mais il s'agit de la Nouvelle-Zélande. Le gigantesque archipel du ministère de la Défense, la zone, le pôle de l'inatteignable. La baie de Kolokolova, le phare des îles Tchaïchi. Le village de Nijni Ishtar, inhabité,
un étrange mélange de terre et d'eau, de marais, de bancs, de sable, de lacs, de ruisselets. Ni sentier, ni débarcadère, ni demeure, ni habitant, des centaines de kilomètres d'une plage froide et blanche. Le voilà, le bout du monde. J'étais rempli de doutes sur mes propres forces et j'ignorais tout de la manière dont cet espace pouvait s'ouvrir à moi. À nouveau, le hasard joua au séducteur, je me retrouvais au Solovki. Or, les Solovki sont un enchantement. L'homme qui aborde le Grand Nord pour la première fois par les Solovki, surtout par un bel été serein, est de toute évidence un homme envoûté, aliéné, incapable de comprendre la réalité qui s'offre à lui. Les pins tordus par le vent comme des ancres japonaises, les bouleaux attendrissants de petitesse, les prés inondés de fleurs, les forêts de conifères, blanches de lichens, et les larges étendues de la toundra, cuirasses brunes percées par les excroissances rugueuses des pierres erratiques incrustées de lichens jaunes ou gris, jusqu'au reflet des églises en ruine, dans l'eau sombre des lacs, jusqu'au silence tremblant de la forêt qui accompagne la barque, glissant sur l'eau, des canaux jadis creusés par les moines au plus profond de l'île, tout cela, l'homme envoûté le prend pour argent comptant, il pense que c'est là le Grand Nord. Est-ce la télévision qui nous déforme, Piotr ? Les châteaux de France, le carnaval de Rio, la vie des mangroves de Bornéo et les savanes nocturnes d'Afrique, tout devient accessible, donc normalisé. Déjà, tu ne vois plus. Tu ne peux plus comprendre que les Solovki sont un lieu particulier, que ce n'est pas pour rien que Sosim et Zavati ont fait aborder leur barque sur ces rivages et que le merveilleux y est condensé de manière incroyablement puissante, comme si le Seigneur avait monté cette poignée de terre en image, tel un film, ne gardant que les plans enchanteurs qui semblaient avoir été spécialement créés pour la méditation et la prière. Il n'y a là aucune image superflue, aucun bâtiment dont les fenêtres s'ouvriraient sans raison sur l'espace, aucune église qui ne soit la parure d'une colline, d'une petite île ou d'une baie. C'est évident, les Solovki sont un saphir bleu que des mains d'hommes ont poli pendant 5 siècles pour lui donner une pureté céleste. Mais tout le Grand Nord ne peut pas être ainsi. Même s'il y a certains endroits, certaines nuits d'été où le ciel flamboie en queue d'oiseau de feu et la pierre de la toundra se transforme en fourrure de lichen. Et ainsi, sans rien comprendre, à peine descendu du bateau à Arkhangelsk, j'ai couru consulter les horaires et voir où je pouvais aller. Car après les Solovki, la question semblait réglée. Le Grand Nord était l'impression la plus puissante de ma vie. C'était donc vers lui que je devais tendre de toutes mes forces. Ou précisément, où, je ne savais pas. Mais l'itinéraire du Yushka d'Arkhangelsk, à Narian-Mar, avec une escale sur l'île de Kolbouet, me séduisit. Jusqu'à l'île, le bateau mettait seulement 24 heures, passant au large du continent, laissant de côté des lieux presque vierges. Mais j'ai pensé qu'une île, pas si petite que ça, dans la mer de Barents, c'était précisément ce qu'il me fallait. La force du rêve vient de ce qui ne se réalise pas tout de suite. Il vit au plus profond du cœur, le réchauffant l'espoir. Je suis rentré à Moscou, le tournis du quotidien me fit vite oublier l'île, mais le hasard avait déjà fait son travail. Il suffisait maintenant d'attendre le moment où j'accomplirais ce qui m'était prescrit. Crois au hasard, Piotr, et remets du bois dans le poêle. Les bûches craquent, le feu crépite en boucle joyeuse, gronde dans le tuyau, c'est ainsi que s'accomplit la prédiction. Crois-moi, j'ai traîné autant que je le pouvais. J'ai essayé de laisser tomber le reportage, je suis parti au Kachanka et je me suis envolé comme matelot sur un bateau de pêche. La veille du jour où nous devions prendre la mer, j'ai sauté sur le quai et je me suis enfui parce que j'ai eu peur. Je me suis persuadé que vider des poissons dans la cale rouillée d'une usine flottante et naviguer sur la frégate de la Pérouse étaient deux choses différentes et en ça j'avais raison. Mais mon incompétence et l'absence manifeste de désir de changer quoi que ce soit à ma vie m'oppressaient et m'accablaient. Il était évident que je ne savais rien faire d'autre que ce que doivent savoir faire les journalistes. Autrement dit, téléphoner, obtenir des informations et des commentaires, fumer, boire le café, bavarder de tout avec l'air de celui qui, de ce tout, connaît tout et même un petit peu plus, qui voit le monde morcelé en petites cases où se retrouvent des sujets susceptibles ou non d'être l'objet d'un article.
Je suis rentré chez moi, brisé, je ne savais pas comment réaliser mon rêve. Quelques années ont passé, tout s'est gâté dans ma vie, je me suis séparé de ma femme, j'ai tenté de réussir dans ma profession, je suis entré à l'hebdomadaire le plus prestigieux de l'époque, j'y écrivais des articles sérieux, la direction me félicitait, mais ce sérieux, ce langage qui, même sur le papier, devenait assommant et stérile, commençait à m'effrayer. Cela se termina par la phrase cinglante d'une journaliste excellente, de surcroît, avec laquelle je travaillais à l'hebdomadaire Le Journal littéraire. Entendant mes doléances, elle me lança avec un petit rire cruel. « Depuis le temps que tu en parles de ton île, je pense que tu n'y partiras jamais. » À cet instant, mes yeux se dessillèrent. Nous étions au début du mois d'août 1992. Je téléphonais à Arkhangelsk, j'appris que la ligne Arkhangelsk-Narianmar était suspendue, et comme un fait exprès, il n'y avait plus de billets d'avion pour Narianmar, il restait une solution, le train jusqu'à la ville de Petchora et de là le bateau qui remontait le fleuve jusqu'à Narianmar, le plus ancien itinéraire, celui qu'avaient emprunté il y a bien longtemps les premiers explorateurs. J'ai acheté un billet et je suis parti, seul, sans préparation, ce qui évidemment pesa sur la suite. J'avais par exemple pris du café moulu allemand Alvorada, qui se révéla être une poudre sale, torréfiée à mort, parfaitement imbuvable, et des gitanes sans filtre. En un sens, j'étais équipé, aussi équipé que le Superman de la publicité pour les cigarettes Camel. En revanche, j'avais même pas emporté de veste d'hiver, pensant que je me débrouillerais avec un gros pull et un coupe-vent. Tu comprends, tout ça est stupide, mais j'ai senti que si, une fois encore, je ne me décidais pas, je resterais à jamais un pourfendeur hautement qualifié du progrès, que je ne réaliserais jamais mon voyage, que je ne dirais jamais ce que j'avais à dire, et même que je ne saurais jamais en quoi ça consistait. Est-ce que tu sais ce que signifie avoir quelque chose à dire, Petya? Petya! Petya, mon ami, ça fait longtemps que tu dors? Dors. J'ai trouvé l'île. Je l'ai trouvée seule. Et maintenant, je la partage avec toi comme on partage le pain. Je t'en fais don avec ces bancs d'argile, ces hauts fonds d'une terre originelle qui surgirait à chaque marée. Ces troupeaux d'oies innombrables, ces rivières et ces ruisseaux, sa neige et ses combes entre les monts bleus de Myosotis avec tous les émerveillements qu'elle est capable d'insuffler à l'âme et la fatigue mortelle qui monte et t'enveloppe comme une ombre, même s'il était ici et s'ennuie. Tu dors, donc tu acceptes le don. À partir de maintenant, l'île va devenir une part de ton destin. Et peut-être l'anneau rassemblant le pesant trousseau des clés qui ouvrent diverses portes à diverses extrémités de ce monde. Il y a des pieds qui reviennent, Livre du rêve. La nuit. Dans la chambre d'hôtel glacial, sous deux couvertures, en caleçon de laine. Nuit. Pluie derrière la fenêtre. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Envie soudaine de manger, de prendre une douche chaude. Qu'est-ce que je cherche? L'île? Elle a été découverte bien avant moi. L'île, mon invention saugrenue. Pas besoin de rêver longtemps pour se représenter ce qu'il y a là-bas. Étendue, plate, toundra, ciel gris bas, creusé en labour, de nuages sombres, soleil terne, blafard, toujours caché. Herbe chétive tremblant dans le vent et fleurs de camomille, apothéose de la floraison estivale, odeur d'humidité, partout des marécages de bord de mer qui ne sentent que l'argile, car l'eau, on ne sait pourquoi, ne sent rien. Jaune, glacial.
Pour le reste, tout doit être comme ici, à Narian-Mar, en pire. Le même froid, la même misère. Depuis 2 jours à l'hôtel, il n'y a pas de chauffage et pas d'eau. Je prends l'eau dehors, un robinet dans une gamelle. Le matin, il y en a assez pour se laver, rincer la cuvette, faire le thé. Le soir, pour se laver, mouiller la serviette, s'essuyer, vider la cuvette, faire le thé. Au premier étage de l'hôtel, une porte avec l'inscription « Buffet ». Pas une seule fois, je ne l'ai vue ouverte. Et c'est le nouvel hôtel le plus cher de la ville, le meilleur. Je râle, de nouveau. La nuit, de larges pensées me traversent serrées, en bancs de poissons. Parfois les poissons sont nombreux, parfois moins. Parfois je perds la tête tellement tout se met à frémir, à scintiller de 1000 craintes. Déferlement de harangues se jetant dans les filets. Tout ça parce qu'il faut attendre l'hélicoptère dans une ville inconnue. Les moscovites sont incapables d'attendre, surtout les journalistes. Je le sais. Les vraies pensées surgissent toujours après, quand tout est accompli. Prêter attention à ces bancs de poissons n'a aucun sens. Mais j'ai une sinusite, je ne supporte pas le froid, physiquement. Et cette pluie, jour après jour. Qu'est-ce qu'il disait, Korepanov ? Que sur l'île existerait 2 temps parallèles, le temps de l'abstinence et le temps de la soulerie. Et qu'il valait mieux ne pas arriver dans le second. Que plus un homme était intéressant et captivant quand il était à jeun, plus il serait terrifiant, ivre. Cette pensée est plus profonde qu'il n'y paraît. Korepanov sait de quoi il parle, il a été 3 ans président de l'île. Je ne sais pourquoi ces histoires me sont restées dans la tête. Le réveil à la vie de l'île au printemps, quand le soleil de mars inonde les glaces d'une lumière rose et transparente, que le silence est assourdissant et que soudain, dans la sombre humidité de la mer, un beluga se met à battre lourdement de la queue. L'histoire d'un mystérieux petit homme souterrain. Et aussi l'histoire du couteau. L'histoire du couteau. J'y étais pas du tout préparé. Franchement, j'ai peur. Le projet romantique de mon voyage se révèle une duperie totale. Il n'y a rien de moins romantique que le Grand Nord d'aujourd'hui. J'ai peur de ne pas y trouver ce que j'attendais. Omnia praeclararara. Les anciens m'avaient prévenu. La beauté est chose rare. En 2 millénaires d'histoire européenne, peu de choses ont changé. La seule différence, c'est que maintenant, pour exprimer les vérités d'antan, nous employons des langues nouvelles. Beauty is a rare, rare thing. Même en musique, putain. D'après ce que j'avais lu sur le Grand Nord, il semblait possible d'y trouver encore les vestiges d'une beauté des origines. Mais si je regarde autour de moi, ce que je vais avoir à affronter risque d'être plutôt pénible, voire dangereux, comme ce couteau là, dans la main d'un ivrogne. De nouveau, le banc de poisson du radeau de ton lit d'hôtel frappe l'eau de ta rame. Chasse-le! Dehors, misérable fretin! Dehors! Je saute du radeau et prudemment, pieds nus sur le sol glacé, je m'approche de la fenêtre. À travers l'opacité sourde de la pluie, les baraques grises de Narian-Mar. Une ville étrangère où, je ne sais pourquoi, le courant m'a poussé. Poussé ? Non ! J'y suis arrivé de mon plein gré. En quête ! En quête de quoi ? De sens. Du sens de la vie humaine. Cela sonne stupidement exalté, soit. Mais comment faire si, en vérité, nous sommes placés face au non-sens de l'existence ? Parce que la guerre, c'est sérieux. C'est du non-sérieux, c'est du non-sens sérieux. Des milliers de gens tués, exterminés les uns par les autres, privés de sens, à Sungai, au Karma, à Bakou. La liste va gonfler comme une tumeur cancéreuse. La famille, la maison, l'individu, son monde, ses efforts, sa joie sont privés de sens. La mort moissonne. Il faut regarder la vérité dans les yeux. Les yeux des miséreux, les yeux des réfugiés, remplis de désespoir, les yeux éteints des assassinés. La vie humaine ne vaut pas un sou. Au juste prix, pouvoir, argent, matière première, armes, au juste prix, étrangement, de tout ce qui défigure, mutile la vie, la piétine, la détruit, la retient, l'empêche de s'élever, ne laissant pas aux pierres le temps de s'ajuster, aux pouces de se raffermir. La haine a ses lois. Nous vivons à nouveau aux limites des temps.
Je ne crois pas aux droits de l'homme. Je crois à la valeur de l'homme qui se mesure à son humanité. L'homme tué, déchu, privé de son lot, de son destin et le triomphe du non-sens et de la mort. Au nom de quoi n'a-t-on pas fait couler le sang? Au nom même du Seigneur, de celui qui a rassemblé les hommes et que les déshérités invoquent pour se haïr encore plus les uns les autres. Et cela leur réussit. Ils instillent dans l'âme une haine noire comme de la poix. Car faute d'amour, l'âme est condamnée à la haine. Faute de sens au non-sens. Et moi dans tout ça, c'est dans ces lenteurs que le temps éprouvait ma détermination. Le temps me préparait un compagnon de route. Et le fait que ce soit toi, le fils de mon ami le géographe Micha Glazov, n'a peut-être rien d'étrange. Ce qui n'est pas très clair, c'est comment les événements ont prédéterminé notre choix, le rendant incontournable, et comment, dans la masse des possibilités, une seule en fait, et précisément celle à laquelle je n'avais pas pensé d'emblée, s'est révélée réellement possible. Du reste, je suppose que toi-même, tu n'aurais pas misé une paire de scarabées pourris morts sur le fait que c'était moi qui allais devenir, permets-moi de te le dire, ton premier chef d'expédition. Pardonne-moi, vieux frère, mais c'est ainsi. À notre première rencontre, tu devais avoir 9 ans, et moi j'en avais donc 17 de plus. La différence est assez grande pour suggérer l'existence fallacieuse d'une infranchissable distance entre nous. Où était-ce? Je ne sais pourquoi, c'est au Valdaï que je pense, un ancien bâtiment forestier datant d'avant-guerre que Micha avait investi en bordure de forêt. Une maison, un solide hangar, en rondin des bains à moitié dissimulés dans les herbes, des pas majestueux servant la maison, une rive escarpée et des marches dévalant droit vers la rivière au fond sablonneux, à l'eau claire et glacée. Oui, il semble bien que nous nous soyons rencontrés au Valdaï, dans la maison de ton père, donc dans son monde, dans le monde de ton enfance. Le monde de tes origines. Oui, je me souviens, nous avons plongé dans la rivière. Nous sommes descendus jusqu'à la berge, jusqu'à l'endroit où il y avait du fond. Je savais qu'il me fallait coûte que coûte me jeter bravement dans l'eau glacée parce que tu étais le fils de ton père et que, comme tous les gamins, tu testais les gens pour éprouver leur valeur. J'ai toujours aimé les bains vivifiants en forêt, mais juste le temps d'un plongeon, le temps de perdre et de reprendre en souffle. Quand remontant à la surface à côté de moi, les cils mouillés, encore collés, tu as demandé « Tu nages jusqu'au tronc là-bas » Me proposant de jouer encore un peu dans le courant glacé, j'ai profité de mon droit d'adulte d'être éternellement occupé et invoquant des choses à faire, j'ai sauté sur la berge sous ton regard légèrement narquois. Oui, nous étions adultes et nous connaissions la malédiction de Sisyphe bien que nous n'ayons ni commis ses crimes ni accompli ses exploits. Stupidement, roulé encore et encore la pierre de la vie jusqu'au sommet de la montagne, sans réfléchir. Toi, tu appartenais encore entièrement au monde magique de l'enfance. Le monde de la rivière, de l'eau, des taches de lumière, jaune d'ambre, des poissons argentés cachés dans l'ombre sous la rive. Tu savais où était la source, le lac, la vieille écluse que les moines avaient construite, le treuil, la roue dentée massive qui ressemblait à un mécanisme primitif d'horloge et la fente en bas qui laissait passer l'eau.
Il est sûrement arrivé de penser à ce qui se passerait si on ouvrait avec le treuil le battant de chêne de l'écluse et si on laissait l'eau du lac se déverser brusquement dans la forêt. À vous que tu y as pensé. Moi-même, je rêvais parfois d'entendre frémir puis mugir la forêt au moment où l'eau s'élancerait, noyant les arabesques des rives que la lenteur du courant avait si minutieusement dessinées. Que serait-il alors advenu du monde ? Tu ne le savais pas. Tu connaissais le début, tu ne connaissais pas la fin. Ne sommes-nous pas tous ainsi ? Bien sûr, nous feignons d'avoir quelques certitudes, d'avouer Dieu sait pourquoi que tout est aussi obscur que dans les années d'enfance où nous regardions autour de nous, ensorcelés. L'enfance est un grand mystère. Et quelle somptueuse chasse pour elle que cette rivière et cette forêt, la majesté de cette forêt, sa colonnade de troncs, la magnificence des mousses, l'espace rempli du suintement de l'eau se brisant de toute éternité sur la grève, avec ses odeurs, ses cris d'oiseaux doux, ses sons furtifs qui entrahissent la vie secrète, bruissement de l'écureuil dans les branches hautes, ployant sous le poids des pommes de pin, pas léger de l'élan dérangé se levant sa couche, tapotement lointain du pivert, ou encore à la lisière, plus ombre que bruit, le passage du loup, observateur lointain de la vie des hommes, disparaissant dans les taillis. Où était ton refuge dans cette forêt, ce coin élu que chaque gamin possède ? Où était ton refuge dans cette forêt ? Ce coin élu que chaque gamin possède, je ne le savais pas. Un jour, sur le bord, de sable chaud à l'odeur de fourmis d'un chemin forestier, tu me montras comment chasse le fourmilion, étrange créature invisible qui s'enterre au fond d'un petit entonnoir de sable. Je vis une grosse fourmi rouge transportant dans ses mandibules une brindille de pain trouvée par hasard au bord de ce trou apparemment inoffensif. Soudain, le fond, tel un minuscule volcan, se mit à trembler puis à cracher. Un jet de grains de sable l'atteignit, l'entraînant vers le bas. Elle tente à bien fuir, mais il n'en était plus question. Les grains de sable la bombardaient sans relâche, la repoussant vers le centre de l'entonnoir, d'où soudain, à la vitesse de l'éclair, jaillit une énorme créature couleur sable qui la saisit dans ses mâchoires et s'enfonça sous terre avec elle. J'étais sidéré, et toi, tu étais très content. Moi aussi, gamin, je me rappelle combien je me réjouissais quand mes secrets, comment dire, impressionner les adultes comme s'ils n'avaient jamais été enfants. En ce temps-là, je ne pouvais pas croire que moi aussi, j'oublierais une grande part des savoirs intransmissibles de l'enfance sur lesquels alors je régnais sans partage. Lorsque pour la première fois, à mes risques et périls, je partis pour l'île, tu venais juste d'avoir 14 ans. Si un jour je te raconte mes aventures, souviens-toi de cet été où tu as vécu seul dans la vieille maison paternelle un mois entier, une éternité. Débarquant sans prévenir, Micha et moi avons découvert les traces d'un travail colossal, insensé, dépassant les forces d'un adulte qui, malgré tout, peut succomber à la fatigue ou aux tentations du sibarite. La maison entièrement rénovée d'intérieur, un marteau, quelques clous redressés, une pince posée sur la pluie de la fenêtre inondée de soleil. Nous étions arrivés par hasard, et par hasard, j'ai gardé en mémoire ces outils. L'échange des mots de bienvenue, et toi, sortant d'un buisson d'ortie, le regard méfiant par-dessous la visière d'une casquette militaire de drap d'étain, et disant, scandalisé, « Pourquoi ? Mais pourquoi donc êtes-vous venu ?» Cet été-là, nous n'avions pas besoin l'un de l'autre. Ou plutôt, toi, tu n'avais pas besoin de nous. Moi, j'avais grandi en quelque sorte, privé de père, maladroitement, sans grâce. Il m'avait donné des forces, mais ne m'avait pas appris à les ordonner. Pour apprendre la ténacité, la sainte obstination têtue de l'homme, il m'a fallu des années. Et toi, un seul été a suffi. Celui où tu as vécu isolé dans la maison forestière, imitant simplement ton père, qui, mis à part ces deux jours-là, était tout simplement absent. C'est cette ténacité qui m'est revenue à l'esprit quelques deux ans plus tard quand je me préparais à retourner à Colgwef. Je me suis rendu compte alors que tous deux, qui, séduits par mes récits, avaient à un moment manifesté un vrai désir de partir avec moi là-bas dans le Grand Nord. Cette ténacité qui m'est revenue à l'esprit quelques deux ans plus tard quand je me préparais à retourner à Colgwef. Je me suis rendu compte alors que de tous ceux qui, séduits par mes récits, avaient à un moment manifesté un vrai désir de partir avec moi là-bas dans le Grand Nord, aucun ne partirait.
L'agitation des derniers préparatifs. Pardon. Pause. Mais que va-t-il se passer? Mais qu'elle nous raconte ce récit compliqué? Quand est-ce qu'elle va arriver, l'île? L'île polaire de Kolkhoev est le cœur du récit. C'est en lui donnant une dimension imaginaire que Golovanov parvient à décrire avec le plus de fidélité cet espace géographique et mental. Il raconte ses expéditions en mêlant à ses impressions ses propres sensations, des légendes, des contes, des dialogues, composant ainsi une étrange et puissante partition symbolique qui fait de son livre une sorte d'épopée contemporaine sur les cendres des temps mythiques. peut-être prolonger la pause. Il faut trouver un point final de cette déclaration à Piotr. Oh, tu m'aimes ! C'est cette ténacité qui m'est revenue à l'esprit quelques 2 ans plus tard, quand je me préparais à retourner à Kolkhoev. Je me suis rendu compte alors que de tous ceux qui, séduits par mes récits, avaient à un moment manifesté un vrai désir de partir avec moi là-bas, dans le Grand Nord, aucun ne partirait. Alors on s'est dit, waouh ! Dans le chapitre suivant, ils vont s'embarquer dans l'île. Page 45. Oh là là là. Livre de la fuite. Entre maintenant et jamais. Par quoi commencer l'histoire? Que Pétia continue à dormir. C'est la deuxième fois que je l'abandonne ainsi au sommeil en marge de mon récit. Mais que faire? En fait, c'est d'une comédie qu'il s'agit. Elle n'est pas faite pour l'oreille d'un adolescent. Il y a des choses qui n'amusent qu'avec le temps. À condition que ce temps ne soit pas passé en vain, à condition que l'on se soit affirmé, qu'on soit devenu adulte, que l'on ait vécu sa vie non comme une malédiction, mais comme une possibilité de suivre le chemin choisi, et quand le monde cherchait à vous attraper, que vous ne vous soyez pas laissé prendre, que vous ayez su, comment dit-on, vous réaliser. En bref, que vous ayez simplement réussi à être, ce serait déjà bien. Pourquoi, alors, ne pas parler de votre fuite à vos proches, surtout si elle a réussi? Pourquoi ne pas raconter comment vous l'aviez préparée, comment vous aviez évité les pièges et vaincu les habitudes, comment vous aviez déjoué le danger des appâts à première vue si juteux et alléchant qu'on vous proposait, et comment, vous serrant la ceinture, le ventre de plus en plus vide d'un goût de plomb dans la bouche, tremblant de convoitise, maudissant votre fuite, maudissant le monde entier, vous maudissant vous-même, vous ayez enfin réussi à tromper les apparences, brouiller les pistes. Vous enfoncez au fin fond des forêts, vous oubliez vous-même, être oublié des autres pour enfin revenir dans un monde qui ne se souvenait plus de vous et y être simplement celui que vous vouliez être. Être. Mot important. Le fugitif. Le tireur et le fugitif. Il pleuvait, il faisait froid. Dans la confusion qu'accompagnait le bruit de la pluie tambourinant sur le toit de métal du débarcadère, je me suis retrouvé seul. Attrapant le lourd sac à dos, je suis sorti sur le sable mouillé, coincé entre les palissades noires de pluie des entrepôts. Noires de pluie des entrepôts. J'ai, sans grande conviction, lancé une malédiction en direction du ciel et je me suis mis en quête d'un auteur. Le tireur et le fugitif. Attrapant le lourd sac à dos, il sortit sur le sable mouillé et se mit en quête d'un hôtel. Au matin, il comprit qu'il s'était rapproché du but. Cela ne voulait pas dire que l'île était devenue plus proche. Ses contours restaient tout aussi indistincts et autour de lui,
Il n'y avait que des baraques prises dans le filet de la pluie, des canalisations de gaz, des hangars à bois, des cordes à linge sur lesquelles se balançaient les caleçons et les chiens qui s'accouplaient. Mais le bout du monde, lui, s'était rapproché. Et de là-bas, le vent dévalait soudain par à coup. Il fut assailli par une de ces rafales au moment où il dévorait dans la rue un morceau de renne fumée et un poivron vert acheté à un étal. Brutalement, quelque chose se déchira au-dessus de sa tête et il se trouva pris dans le souffle d'un froid, non pas glacial, absolu. Tous les fils de cette ville de baraques se mirent à siffler comme des gréements et le vent faillit lui arracher le morceau de viande de la bouche. Pour frapper avec une telle force, il devait prendre son élan dans des espaces infinis où aucun obstacle ne venait briser sa course. Le sol du monde d'où il venait n'était pas à ce point instable, mais il se raccrocha à la ligne écrite. C'est elle qui le retint. Écrire un mot, et puis un autre. C'est ainsi qu'il connut les mots qui peuvent sauver. L'humidité du brouillard gonflait les mousses, ses bottes étaient détrempées, sa gorge lui faisait mal. À l'hôtel, comme ailleurs, il faisait froid, mais il tint bon, s'agrippant nuit après nuit aux mots qu'il s'obligeait à aligner en quantité invraisemblable pour ne pas être envahi par la peur. Jour physique, pluie, brouillard. Ces jours-là, les gens d'ici se calfeutrent encore plus derrière des rideaux et s'enfoncent dans un confort domestique somnolent. Dehors, plus 6. Peut-être est-ce déjà septembre, ou même novembre. À nouveau, la sensation éprouvée lorsque j'errai dans les sables pour rejoindre l'hôtel, qu'on ne peut s'attacher à chez ici, que cet espace est un espace ensorcelé. Il est susceptible de te pousser plus loin, mais te laissera-t-il sortir? Pas sûr. Qu'est-ce que je pensais donc trouver ici? Le mot. Voilà la clé de toute cette histoire. Soit. Je trouverai donc le mot. Pour moi, le mot naît de la matérialité du monde, il me faut juste regarder et écouter, rien de plus. C'est pour cela que je viens me perdre ici, pour ressentir sur ma peau ce qui plus tard deviendra verbe. J'aimerais pouvoir encore dessiner, mais j'ai perdu la grâce du dessin, c'est presque évanoui. Si j'étais à nouveau capable de dessiner, ce serait sans doute un des signes les plus heureux de ma vie. Cela voudrait dire que je suis pardonné, que l'on m'a débarrassé de tout ce qui, à tort ou à raison, pèse sur mon âme, et que le merveilleux don d'enfance m'a été rendu. Le don d'exprimer en silence l'émerveillement devant l'énigme du monde. Ce don qui m'avait accompagné jusqu'au moment où je me suis posé des questions auxquelles je voulais des réponses précises, bien formulées. Ne les ayant pas obtenues, je me suis mis en quête seul, ramassant les mots avec minutie, allant les débusquer avec un soin maniaque, mais sans jamais ou presque trouver celui qui aurait l'absolue beauté d'une couleur, l'absolue justesse d'une ligne, l'absolue plénitude d'un dessin, le verbe, comment dire, émouvant. C'est ainsi. Comment être sûr que cette recherche vaille tous ses efforts? Et pourtant, il est impossible de ne pas chercher. Le monologue intérieur butait invariablement sur la question de la pertinence, et plus d'une fois la pensée du retour lui traversa l'esprit. Mais premièrement, il sentait qu'en vérité l'espace ne le lâcherait pas, et que s'il lui était donné de rentrer chez lui, ce ne serait qu'après avoir été là-bas, au-delà du bout du monde. Deuxièmement, le billet d'avion était acheté. Et troisièmement, il était conscient que la fuite, cette fuite intérieure menée depuis de très longues années à travers les pages de son journal avait trop duré et que si cette fois il ne franchissait pas le pas pour transformer cette course en quelque chose, que ce soit un récit, une photo unique, une petite plume rapportée en cadeau à l'aimé, qu'importe, il n'aurait plus qu'à se débattre dans le labyrinthe de sa propre défaite jusqu'au moment où il serait définitivement accoutumé au fait qu'il avait perdu. Ce fut le deuxième jour qu'il fit la connaissance d'un homme qui, pendant 3 ans, avait été le président de l'île. Il s'appelait Korepanov, un nom pomore qui correspondait étonnamment à la force qui se dégageait de lui. Il était de petite taille, lent, puissant, la quarantaine bien entamée, des yeux gris, des yeux expressifs, paisibles et perçants en même temps, qui considéraient attentivement le fugitif pendant que celui-ci parlait, le jaugeant et étudiant la qualité du matériau dont était faite la coque humaine qu'il avait en face de lui, sa colonne vertébrale, la quille, ses côtes, les membrures, ses tendons, ses muscles, les gréements et bordages, et le plus important, le moteur, son cœur. Dans l'ensemble,
du point de vue d'un beau mort, la construction était faiblarde, mais pour l'été, acceptable. Le moteur, lui, avait des ratés, trahissant l'incertitude et la peur, ce qui pouvait se comprendre. Mais il était plus important de démêler des problèmes de fond. Quelles étaient les courroies de transmission qui le mettaient en mouvement? Quel désir le faisait tourner? Quelle énergie consommait-il? Sur la table, une bouteille d'alcool à 50 degrés, comme l'aime le maître de maison. À mi-bouteille, le fugitif comprend, même s'il est clair que Korébanov tient à son île et ne désire pas la partager avec le premier venu, qu'il a passé l'épreuve. Le regard particulier, à la fois perdu et coupable, propre au fugitif, n'a pas échappé à son interlocuteur, mais sans doute a-t-il dit ou fait quelque chose qui a emporté la conviction de l'ancien président. Quelle que soit la fragilité du gréement, il est possible d'accorder sa bénédiction à cet autre, à cet hôte inattendu, pour qu'il accomplisse son étrange projet qui reste encore incompréhensible. Et qu'à la fin de la discussion, le fugitif aperçut sur les rayonnages de livres qui couvraient les murs de la chambre, du sol au plafond, un exemplaire de Salamine de Rockwell Kent, et d'autres gisements qu'il avait l'habitude, quoique dans un ordre différent, de voir chez lui, dans sa propre bibliothèque à la maison. Il comprit alors que l'homme qui le mettait à l'épreuve en savait bien plus que ce qu'il avait d'abord supposé. Plus tard, beaucoup plus tard, il s'aperçut qu'il n'avait rien dit ni fait de particulier, qu'il s'était contenté de confirmer une fois encore son intention envers et contre tout, d'aller sur l'île. Il venait de loin, ce qui était inhabituel, et il est toujours inhabituel de contempler un homme que le destin emporte dans un tourbillon et qui ne s'en rend pas compte. Le président donc l'avait observé, et lui, l'imbécile, avait cru gagner sa confiance parce qu'aucun des journalistes locaux n'avait jamais mis le pied sur l'île. Aucun, jamais. Alors que lui, s'apprêtait à y aller. Mais Korébanov lui donna les noms de ceux auxquels il pouvait s'adresser de sa part sans hésiter et lui permit de consulter les livres. C'est ainsi que 40 heures avant son départ, le fugitif a pris le mot de passe et reçu les clés. La nuit, dans sa chambre d'hôtel, sur une pellicule en noir et blanc, il n'en avait pas d'autre, il reproduisit une série de visages sombres, couleur vieux bois, des dessins de baleines bleues que le négatif décolorait aussitôt, des monts couverts de fleurs, des reines, des soleils, l'île prenait forme de plus en plus clairement à travers les lignes serrées des petits textes du dictionnaire encyclopédique Brockhaus-Heffron, décrivant les contours d'une ellipse irrégulière coupée de vallées fluviales et traversée de rangées de collines de type sédimentaire. Celles-ci, affirmait le dictionnaire, sont le résultat du travail d'une large rivière datant d'une ère géologique antérieure et qui, selon toute probabilité, coulait par la vallée de la Pechora. La rivière actuelle en serait alors un vestige. Oh, Pechora, coulant d'une éternité à l'autre, sous le ciel maussade en direction de l'océan, elle renacle, se hérisse en vagues, par-dessus, par-dessous les eaux de la mer d'antan, tapis, salée, jadis chaude, mer aussi noire qu'une aube d'aveugle, aussi épaisse que du pétrole. Ici, la terre sur des couches et des couches de profondeur est imbibée d'eau. Et si toi, malheureux, qui cours sur ces eaux, tu n'as pas encore compris que le monde est un millefeuille, alors s'il te plaît, avant de prétendre y goûter, fais un effort pour rentrer au cœur du sujet. Qui est le maître ici? Et qui est l'élève? Est-ce le fugitif qui, à l'hôtel, se parle à lui-même, torturé par l'attente? Est-ce l'auteur qui s'en mêle avec son doigt douteux d'ingérence dans le texte, là où il le décide? Ou s'agit-il de voix nouvelles, jusqu'alors encore inconnues, qui résonnent? Le tireur apparaît de manière inattendue sur une image, dans un autre livre gorgé d'espace, de lumière et de joie. Un jeune archer en costume de chasseur vise vers le ciel une oie qui passe. Un rapide dessin à la plume, au trait simple, expressif, qui en même temps témoigne sans ambiguïté de l'époque où il a été fait, le début des années 60. Ce que confirme la langue simple, énergique, légère. Nous quittons les Houchards et descendons par l'échelle de corde vers le bateau Colhuebes, qui vient d'arriver et se met à flanc de notre coque noire et sombre. Les mouettes crient.
De Yuchar, on fait passer dans le bateau des colis, des sacs, sans doute de la farine et du sel, des caisses, des tonneaux. Des ménettes sont venues de l'île et à quelques-uns aident à décharger. Ils travaillent en silence. Vêtements de peau, beaux mais mouillés, ornements aux couleurs vives. Il fait très froid. Le livre des peintres Adam Ivatchuk et Vladimir Melnichenko. L'île de Kolguev était balayée du souffle de souvenirs encore vivants et de la préscience de la rencontre. Ce qui était dit ne pouvait disparaître. Il y avait encore des gens avec lesquels ils avaient bu le thé, eux-mêmes étaient encore vivants, donc ils pouvaient confirmer leur dire. Une fois encore, ce n'est que bien plus tard qu'il prit conscience qu'Ada et Volodia, devenus sur l'île une légende vivante, qui était arrivée bien avant que ne paraissent leurs livres, alors qu'ils n'étaient pas encore des peintres, juste des étudiants venus préparer leur diplôme. C'était en 1959 ou 1960, avant sa naissance à lui, il y a longtemps. Bien sûr, ils avaient eu de la chance. C'était encore le temps des nomades, les derniers jours du siècle du nomadisme sur l'île. Un siècle imprégné d'autres siècles, de milliers d'années d'un mouvement incessant, de peuples qui suivaient les rênes dans les étendues infinies de ces terres. Lorsque Ada et Volodia arrivèrent ici pour hiverner, les gens de la toundra avaient déjà commencé à s'installer dans les maisons du rivage. Mais entre les maisons qui s'alignaient le long de la mer, surgissaient encore des tchoums, équivalent de la yourte mongole. Les gens préparaient le repas comme autrefois en faisant du feu dehors pour toute la famille. Ils avaient encore tant de force que rester assis trop longtemps dans la maison leur était tout simplement impossible. Ils s'échappaient souvent dans la toundra afin de rejoindre ceux des leurs qui restaient là-bas, ne voyant dans la vie sédentaire que paresse et essoufflement. Un jour, un beau jour, les deux étudiants comprirent que l'heure qu'ils attendaient était venue. On les convoqua et on leur donna un attelage et des traîneaux. Ce seront des rênes, ce seront des traîneaux. Combien d'années les ai-je attendus? 10, 12? Ada, ma belle Ada, petite fille, mais comment est-ce possible? Tu ne devais avoir que 10 ou 12 ans quand dans les pénombres du Grand Nord, l'île s'illumina telle une émeraude et de sa lumière de glace, tant sur cela dans ton Kiev au printemps, près du monastère Vyudovitsky, dominant le Dniepr, les lilas, mon Dieu, se déversent en vagues, mêlant toutes les nuances de bleu, clair, foncé, mauve, où les cerisiers en fleurs forment d'une brume immobile, où les pommiers au reflet rose se répondent et emplissent chaque inspiration d'une fraîcheur sucrée, où il faut se protéger de la brûlure du soleil à l'ombre lourde des platanes. Oui, oui, c'est ainsi que cela a dû se passer, Ada. C'est dans l'enfance que nous héritons des terres qu'il nous faudra conquérir plus tard. L'insomnie, avec une joie méchante, imposa sa loi à la nuit, et le sommeil alors imposa la sienne au petit matin. Résultat, sans même avoir le temps de déjeuner, attrapant le sac à dos avec la casserole de Katcha, le fugitif bondit dans la vieille Zaporozhye de Korepanov, qui l'emporta vers l'inévitable, se hâtant lentement mais sûrement pour ne pas risquer de casser le plancher de la voiture dans les ornières. Sans doute Korepanov savait-il ce qu'il faisait. L'embarquement était terminé depuis longtemps, la salle d'attente était vide, mais on le laissa passer. Au comptoir, le responsable jeta à peine un œil sur l'ordre de mission. Billets, passeport, qu'est-ce qui vous prend d'être en retard comme ça? Courez. Le MI-8, orange, une traînée de suie noire sur le capot du moteur, ne se distinguait des deux autres que par la porte encore ouverte de la cabine. L'hélicoptère roula sur le béton mouillé, puis en oblique sur le sable mouillé, puis sur le béton à nouveau. Visiblement, les passagers venaient juste de s'installer, et quand le fugitif se glissa dans la cabine, il comprit qu'il n'y avait plus de place, ni pour lui, ni pour son bagage. Il poussa la tête à l'intérieur et à tout hasard tendit son sac. « Faites passer, s'il vous plaît !» Ceux de l'intérieur acceptèrent, le sac disparut, et à sa suite, il se glissa à l'intérieur. Les deux banquettes de chaque côté étaient occupées. Au milieu, du plancher au plafond, s'élevait une montagne d'affaires, un tas terrifiant qui menaçait à tout moment de s'écrouler. « Et vers arrière !» dit le second pilote en relevant l'échelle. Il tentait désespérément de s'agripper à tout ce qui dépassait, mais il y avait si peu de place qu'un pied se retrouva sous son pied à lui. « Excusez-moi,
Personne ne répondit. Il était trop étranger. Il ne méritait pas que l'on gaspille un mot pour lui. La porte claqua, les hélices se mirent à tourner. En même temps que l'odeur de l'essence, il sentit celle inconnue, quelque peu sauvage, des gens. C'étaient presque tous des nénettes, les femmes surtout, et bizarrement quelques enfants. Le fracas des hélices les faisait s'incliner. Certains penchés en avant fermèrent les yeux. Il comprit que l'esprit de la machine leur était hostile et que face à lui, ils perdaient leur force.